Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à récupérer les mots de passe du Wi-Fi sur lequel notre téléphone est connecté. Alors, vous pouvez avoir besoin de cette astuce si par exemple, vous vous retrouvez connecté à un Wi-Fi dont vous ne connaissez pas le mot de passe. Donc, votre téléphone est juste connecté, mais la personne qui vous a connecté à ce Wi-Fi ne vous a pas donné le mot de passe. Ou par exemple, ça peut être votre propre routeur, mais vous ne réussissez plus à connaître le mot de passe de ce routeur-là. Mais votre téléphone avait déjà été connecté par le passé, donc par là vous pourrez récupérer le mot de passe de votre routeur. Alors là on va commencer, nous allons entrer dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, on va choisir Wi-Fi. Et là comme vous le voyez, je suis connecté au Wi-Fi Vodafone CMR97DD. Donc là une fois sur ça, je vais cliquer sur le Wi-Fi en question. Et là comme vous le voyez, il y a un QR code, statut, intensif signal, etc. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est ce QR code. Sachez aussi que ce ne sont pas tous les téléphones qui proposent cette option. C'est plus les téléphones récents, donc les Samsung, A Galaxy. Donc là, le tuto, je le fais avec un Huawei Honor Honor 9A. Donc, comme vous le voyez, il y a cette option-ci qui montre le QR code. Donc là, je vais faire une capture d'écran. Et après avoir fait la capture d'écran, je vais modifier cette capture d'écran de manière à récupérer uniquement le QR code. Donc là, je vais rogner de telle manière à récupérer uniquement le QR code. Voilà. Donc là, j'ai récupéré uniquement le QR code. Là, je vais enregistrer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Une fois qu'on a récupéré le QR code, nous allons nous rendre sur le navigateur. Et là, vous allez chercher. Vous allez aller sur l'adresse Z5. Donc, une fois sur Z5.org, là vous allez choisir l'option télécharger un fichier, donc c'est en anglais upload the file. On choisit un fichier et là on va choisir la capture d'écran qu'on vient de faire dans l'image qu'on a rogné pour avoir le QR code. Voilà, comme vous le voyez, on se retrouve avec screenshot 43738.jpg. Donc là, on va envoyer. Et une fois envoyé, comme vous le voyez, on met décodage réussi. Ben, normalement, c'est en anglais, décode, succès. Donc on a le Wi-Fi, le type du Wi-Fi WPA, le nom Vodafone et le mot de passe c'est 3 1 3 25 0 60. Et donc vous voyez, vous avez pu récupérer le mot de passe du Wi-Fi sur lequel on est connecté. Donc une fois de plus, merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et surtout n'oublie pas, just take it.